Ceux qui nous accusent aujourd'hui de faire de la transhumance, alors qu'en réalité, c'est eux. C'est vos anciens collègues, vos anciens collègues. Bien sûr. Je voudrais à ces propos savoir quel type de relation vous entretenez avec vos anciens collègues. Nous n'avons pas à les détester parce qu'ils gèrent une valeur qui s'appelle liberté et nous entendons qu'ils nous reconnaissent aussi le droit de jouir de cette même liberté. Vous côtoyez quand même, vous échangez. Nous nous voyons au Parlement parce qu'ils sont membres du Parlement. Bien sûr, ils sont devenus minoritaires. Mais ils sont l'opposition au Parlement. Nous nous voyons, nous nous respectons et j'espère que le respect que nous développons vis-à-vis d'eux sera le même qu'ils développent vis-à-vis de nous. Au lieu de nous accabler de noms de petits oiseaux qui ne comptent pas, à mon avis, parce que c'est vraiment peu digne. Que, ah, c'est ce que ça raconte. Oui, lorsque on était avec eux ensemble, avec le président Tshisekedi, tout était rose. Que lorsqu'ils sont partis, nous sommes restés avec Tshisekedi, tout devient noir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut reconnaître à chacun le droit d'accepter de rester. Il faut une certaine galanterie ou d'évoluer. Politique. Voilà. Une certaine sportivité. C'est exact. Lambert Mendéo Malanga, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Et je vous dirais que c'est le président Kabila qui m'a présenté au président Tshisekedi pour être nommé président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant. C'est quand il y avait encore cette alliance entre ceux qui nous font des reproches aujourd'hui de travailler avec Kabila et avec Tshisekedi et qui ont préféré partir avec le président Kabila. C'est à partir de ce moment-là que j'ai hérité de cette présidence du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Alors, j'avais raison d'accepter de diriger les lignes maritimes congolaises à ce moment-là. Et du coup, parce qu'eux ont une autre idée, je dois cesser de diriger cette société aujourd'hui avec les idées qui sont et les vous miennes. Vous êtes nationaliste. Pour quelle raison? Je suis nationaliste. Je suis au service d'un pays. Vous mettez en exergue la nation. Voilà. Lambert Mende, l'actualité, c'est cette guerre d'agression qui se vit dans la partie est de la RDC. Vous savez, le Kivu est devenu aujourd'hui les ventres mous sur le plan sécuritaire avec la résurgence du mouvement terroriste M23 qui avait été défait, vous le savez, en 2013. Oui. Mais du coup, ce mouvement a refait surface avec parfois des armes non conventionnelles, passe-moi l'expression, exact. Parce que la MONUSCO l'a reconnu, et Kinshasa clame tout haut que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Ce qui est vrai. Parce que comment expliquer un mouvement terroriste, un simple mouvement, qui puisse tenir tête devant une armée loyaliste? Selon vous, quelles sont les pistes de solution en deux mots à cette guerre qui n'a que trop duré, plus de 30 ans? D'abord, la définition de la situation telle que vous la faites mérite d'être plus ou moins recadrée. Le M23, c'est une fiction. La réalité, il n'existe pas, selon vous. La réalité, c'est que la République démocratique du Congo est victime d'une agression militaire du Rwanda. Et derrière le Rwanda, il y a certains États de l'hémisphère nord qui ont planifié de s'adonner à la prédation, c'est-à-dire au pillage des ressources. Quels sont ces États? J'ai parlé de l'hémisphère nord, c'est clair, c'est l'Occident. Il y a beaucoup d'États. Non, c'est l'Occident. L'hémisphère nord, c'est l'Occident. Vous êtes l'Occident, quand même un intellectuel. C'est vaste, c'est vaste. Non, l'Occident, il y a beaucoup de pays. Ce n'est pas vaste. Ce qui est vaste, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Afrique, mais l'Occident, vous savez ce qu'est l'Occident. C'est eux qui sont derrière le Rwanda. Parce qu'ils veulent utiliser le Rwanda pour ne pas assumer directement la responsabilité des crimes qui sont commis aujourd'hui en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a un tribunal de l'histoire qui va demander des comptes aux uns et aux autres. Il y a eu un génocide arménien, les comptes continuent à se demander jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un génocide juif pendant la guerre 40-45. Les comptes continuent à se demander aujourd'hui. Il y a eu un génocide au Rwanda en 1994. Les comptes continuent à se demander aujourd'hui. 800 000 morts, mais voilà. Au Congo, on a encore aujourd'hui, des milliers. Il y a un génocide en République démocratique du Congo. Les comptes vont être demandés un jour. Alors, ces malicieux font tout pour échapper à leur responsabilité et utilisent le Rwanda pour que toute la faute soit jetée sur le Rwanda. Mais en réalité, c'est eux qui sont derrière cela pour se mettre au service d'un projet
de pillage systématique des ressources économiques et financières, des ressources naturelles dont la République démocratique du Congo est pourvue. Et la solution à cette guerre, c'est laquelle? Parce que là qui est trop duré, plus d'un quart de siècle, les Congolais en ont payé le frais. Il est important que les Congolais prennent conscience de la nécessité de constituer un front commun contre cette agression, qu'ils prennent conscience du fait qu'il est indispensable que les uns et les autres essayent de s'oublier, hein, de ne pas mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui sont nos agresseurs, parce que pour des raisons philosophiques, pour des raisons politiques, pour des raisons sociologiques, c'est elle qui est au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas moi. Même si le pays disparaissait, ça ne sera pas ma responsabilité. En réalité, si le pays disparaissait, nous tous n'aurions pas de voie de recours. Donc l'unité de toutes les filles et de tous les fils du Congo est la première solution pour faire échec à cette guerre d'agression. Et vous voyez que même les agresseurs eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas signer leur agression et passent par ce négrier des temps modernes qu'est devenu le président Paul Kagame aujourd'hui, parce qu'ils veulent l'utiliser pour le négrier du temps moderne. Le négrier des temps modernes. Pourquoi? S'il faut le répéter 100 fois, je le répéterai. Parce que les négriers ont utilisé aussi nos frères à l'époque pour acheter nos frères en esclavage. Ce sont parfois des chefs coutumiers de chez nous qu'on utilisait pour dire « cet enfant était tu, vous le prenez et vous me donnez autant de mètres de cotonnade, cet enfant était tu, vous me donnez autant de poudre à chasser et vous le prenez. » C'est ça, les négriers. Et c'est le travail qu'il fait, Kagame. C'est ça que le travail que Kagame fait aujourd'hui. Lambert Mende, le chef de l'État, dans une adresse à la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait expliqué la démarche qu'il avait initiée dès la prise de fonction. Il a commencé par consulter ses voisins, ses pairs africains. Et il a été partout, n'est-ce pas, pour chercher à ramener justement la paix dans la région. Mais apparemment, sa démarche n'a pas été suivie. Il a même, la RDC a même tissé des liens, des coopérations économiques avec les Rwandais, la construction d'une usine de traitement d'or au Congo, pour un échange gagnant-gagnant avec ses voisins. Mais la démarche adoptée par les Rwandais, c'est plutôt la guerre. Finalement, pour Félix Tshisekedi, c'était la diplomatie, en premier lieu, la diplomatie classique. Mais apparemment, ce langage de diplomatie n'est pas compris. Qu'est-ce qu'il faudra faire par la suite? Aller, y aller par la guerre? Mais nous y sommes déjà dans la guerre, cher ami. Votre analyse n'est pas complète. Hein? La diplomatie n'exclut pas nécessairement les moyens. La diplomatie n'est qu'une autre façon de faire la guerre. Hein? Il ne faut pas dire que... Il faut que la diplomatie ait échoué totalement pour que nous puissions envisager la guerre. Même en pleine guerre, il y a toujours une démarche diplomatique. Mais maintenant, il y a une trêve. Il y a un cessez-le-feu qui a été décrété à la suite des pourparlers de Nairobi, des pourparlers de Luanda en Angola. Ah oui, mais c'est une trêve en trompe-l'œil, dans la mesure où il est question que, grâce à cette diplomatie, à ces efforts que le gouvernement et le président ont développés, il y a la East African Community qui a institué un groupe de troupes d'intervention, une force militaire. La force régionale qui devait procéder au désarmement de ces groupes que nous appelons les forces négatives, mais cantonnés quelque part. Et ce qui n'est pas encore favoriser fait, leur réinsertion. Et aujourd'hui, les M23 s'habillent en tenue civile. Ils restent toujours qu'est-ce dans que les nous avons constaté dans la mise en œuvre de cette force régionale, il y a eu des couacs. Le commandant de cette mise en œuvre de cette force régionale, qui était un général kényan, il a jeté le tablier. Avant de jeter le tablier, a essayé de sortir de la définition de cette force qui était nantie d'un mandat offensif, c'est-à-dire désarmer au besoin par la force tous ces groupes qui constituent des forces négatives et les amener à accepter cet effort de réinsertion que la RDC leur offre. À travers les PDDRCS. Et au contraire, il a commencé à jeter les passerelles d'une sorte de
de complicité coupable avec ces forces négatives, hein, qui ont amené le président de la République à lui faire des reproches, qui ont amené le gouvernement à dire que ce n'est pas ça ce qui a été convenu, et on l'a démissionné. On dit qu'il a démissionné. Moi, je préfère dire qu'on l'a démissionné. Ça, je vous le concède. Hein, ouais. Quand vous dites on l'a démissionné, je vous le concède. Parce qu'en disant cela, vous insinuez qu'il y a eu, suite à cette pression politique... Du gouvernement congolais. Du gouvernement congolais. Absolument. C'est alors qu'il a démissionné. C'est exact. Et il fallait y arriver. Et avec l'actuel, vous pensez que ça ne sera pas déshabillé Saint-Paul pour Saint-Pierre? Non, vous constaterez d'abord que même au sein de la force régionale, les attitudes sont différentes. Ce commandant kényan, avec la force kényane, qui sympathisait avec les M23 et tout ça, avait une attitude que nous trouvions questionnable. Mais par contre, si vous voyez le comportement du contingent burundais, le contingent burundais est venu avec un mandat offensif. Ils font le coup de feu contre les forces négatives, ils se battent. Donc vous voyez déjà qu'il y a parmi eux une lecture différenciée de cet accord qui a mis en place la force régionale. Et c'est la lecture des Burundais qui me paraît la plus appropriée, la mieux appropriée, la plus conforme à ce qui a été convenu entre la RDC et les autres membres de l'East African Community. Et nous espérons que la désignation d'un nouveau commandement va rapprocher le plus possible cette force du comportement du contingent burundais que par rapport au comportement du contingent kényan. En tout cas, c'est les souhaits des tout Congolais et pris de paix. Nous allons prendre le dernier sujet de ce magazine politique. C'est justement l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie, prévu au mois fin juillet de cette année. Oui. Et vous savez que l'OIF, je ne vous apprends rien, est dirigé par Louise Mushikiwabo. C'est une Rwandaise, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, elle est venue à Kinshasa, je me rappelle, pour solliciter l'accompagnement de la RDC lorsqu'il fallait aller aux élections au niveau de l'OIF. Et la RDC a accepté de donner la voix pour que, parmi plusieurs autres nations, pour que Louise Mushikiwabo soit élue à la tête de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Mais voilà, Lambert Mende, aujourd'hui l'OIF met sur la sellette une exigence, celle d'auditer les fichiers électoraux avant de la RDC, bien sûr, avant d'aller aux élections. Votre commentaire? Je ne conseillerais pas comme législateur au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accéder à cette requête de l'Organisation internationale de la francophonie de pouvoir auditer tous les documents de la centrale électorale congolaise, ou même de jouer un rôle quelconque dans le processus électoral de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Mais pourquoi? Il y a quelque chose que... Il y a plusieurs raisons à cela. Oui, plusieurs raisons à cela. Nous sommes le produit d'une histoire. En 2018, au mois de décembre, nous avons eu une élection extrêmement chahutée en République démocratique du Congo, qui a abouti à la première alternance civilisée, passation pacifique de pouvoir entre deux présidents élus. Le président Kabila, qui avait sa majorité, le président Tshisekedi, qui avait la sienne, et qui était dans l'opposition, qui était leader de l'opposition, et Tshisekedi a gagné l'élection en 2018. Et parmi les agitations que nous avons observées de par le monde, nous avons constaté l'attitude du président rwandais, Paul Kagame, qui était à l'époque président en exercice de l'Union africaine, et qui a essayé de dénaturer, de discréditer ce processus électoral. Il n'a pas reconnu officiellement les résultats du scrutin. En disant même qu'on suspende la proclamation. Il a même donné une injonction à nos cours et tribunaux, chose que l'Union africaine, dont l'Union africaine n'a pas qualité. On ne voit pas l'Union africaine donner un ordre au juge constitutionnel congolais, dire, vous avez délibéré, mais avant de proclamer, laissez-moi d'abord négocier, etc. Ça n'a aucun sens. Personne n'est au-dessus de la justice d'un pays. Et Kagame a tenté
de faire en sorte que les résultats que le peuple congolais a pu obtenir à travers la voie des urnes puissent être dénaturés. Avant cela, vous vous souvenez de la phrase de Jean-Yves Le Drian, qui était ministre des Affaires étrangères de la France. Qui a été reprise par Et on a compris qu'il y avait une collusion entre la France et le Rwanda pour essayer de faire en sorte qu'ils maîtrisent le processus électoral au détriment de la volonté du peuple congolais. Vous voulez parler de quelle phrase? Mais la fameuse phrase d'arrangement à l'africaine qui nous a scandalisés. Et donc le président Kagame s'était inscrit sur cette logique des arrangements à l'africaine. Donc il a voulu donner du poids à cette déclaration dédaigneuse du ministre des Affaires étrangères d'alors, Jean-Yves Le Drian. Et donc en mettant bout à bout ces données, on est en droit de suspecter tout ce qui peut venir et du Rwanda et de la France. Or, la désignation de Mme Mushikiwabo, vous parlez de l'appui qu'elle a obtenu de la République démocratique du Congo, il ne faut pas exagérer. L'appui que Mme Mushikiwabo a reçu venait premièrement de son gouvernement et ensuite et surtout du gouvernement français de M. Macron, qui contrôle... Non, je ne dis pas seulement la RDC. Elle a fait le tour du pays, le tour du monde. Tout ça était inutile. Kinshasa. Vous ne pouvez pas... Il est passé aussi à Kinshasa. Je voudrais vous donner une information, mon ami. Allez-y. Vous ne pouvez pas devenir secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie sans l'appui de la France. Puisque la France est le premier pays contributeur dans la francophonie. C'est comme ça que les organisations internationales marchent. C'est la France qui a voulu faire un cadeau au Rwanda. Le Rwanda est un pays du Commonwealth, un pays où l'on ne parle qu'anglais. Mais le président Macron a décidé de faire don au Rwanda de cette présidence de l'OIF qui pouvait aller à un autre pays francophone pour des raisons qui lui sont propres, qui sont propres aux relations entre le Rwanda. Le président Macron a fait don. Bien sûr. C'est-à-dire des relations qui sont propres entre le Rwanda et la France et qu'il faut revisiter à partir du génocide rwandais de 1994. Les Rwandais mettaient la France sous pression pour n'avoir pas été suffisamment solidaire de Tutsi lorsqu'on les abattait, lorsqu'on les tuait pendant le génocide. Donc il utilise la francophonie, comme il utilise aussi la RDC, comme instrument de négociation et de réconciliation avec le Rwanda. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de terminer cette émission. Question d'actualité, je voudrais savoir si Lambert Mende a changé ou bien il est resté le même. C'est à vous à savoir si je suis toujours le même. Je suis lumumbiste, j'ai toujours été lumumbiste, je serai toujours lumumbiste. Je ne vois pas en quoi j'aurais changé. Je m'occupe de mon pays. Je sais que nous n'avons que ce pays, c'est ce que Lumumba nous a dit. Je me mobilise contre toutes les tentatives de balkanisation de ce pays. Et souvenez-vous que le premier à avoir parlé de balkanisation, c'est Patrice Emery Lumumba. Avant même d'être Premier ministre, il a dénoncé la Belgique comme voulant balkaniser le Congo. Aujourd'hui, nous parlons bien de balkanisation, mais c'est un mot qui est venu de mon maître. Mais oui, il a dit balkanisation. Enfin. voilà. C'est lui de Lumumba, et donc je reste dans ce schéma-là. Je ne changerai pas, et donc je reste dans ce schéma. C'est pourquoi j'apporte mon appui à tout gouvernement, à tout président de la République, qui milite contre la balkanisation du Congo, ce qui est le cas de Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Lambert Mende, c'est des milliers de Congolais qui vous suivent au pays, à Katakokombe, à Lomela, à Mbujima, et à Kananga. Et à Lodja chez moi. Et à Lodja, justement, à Kisangani, à Guado, partout à travers la République et le monde, tout droit dans cette caméra, un message à tous ces compatriotes. Ils vous suivent et surtout ceux qui sont en proie à l'insécurité dans la partie est de la RDC. Je souhaite dire à tous mes compatriotes que le moment est venu d'oublier tout ce qui peut nous diviser et de nous mettre ensemble derrière les forces armées de la République démocratique du Congo
qui, par mont et par vaux, par vallée, sont aujourd'hui aux premières lignes face à cette agression rwandaise qui utilise le prétexte de la mutinerie du M23, qui a été démantelée d'ailleurs de manière diplomatique par la communauté internationale, en sachant bien que nous sommes seuls face à cette agression et que si d'autres doivent venir à notre rescousse, tout doit commencer par nous-mêmes. Et que les disputes que nous développons à travers ces noms de petits oiseaux que nous nous jetons à la figure les uns les autres ne feront pas avancer notre capacité à nous défendre d'un pouce. Au contraire,